faudrait que qu'ils ne prennent pas la ville, hein, que von Tranche ne soit pas pris par le Reich. Wilmnitz, je crois que c'est Wilmnitz. Hein. Allez, t'attaques. Tu as raté ton coup. Tu m'ouvres une opportunité en dessous, mon ami. Je vais pouvoir entourer ici. Oh. Ah non, non, il faudrait que. Et toi, tu me fais quoi là? Ouf. L'attaque était costaud quand même. Alors, vous m'attaquez. Oui, je suis content de m'être mis là. De m'être mis là. Ok, on a fait quand même pas mal de tueries là-dedans, mais nous avons perdu 10 tanks. Oh oh. Ok. Alors. Oh, ouais, bah alors là, c'est. Les 6% ont fonctionné. Oh, mon roquetterie, c'était moins bien que je pensais. On a du motorbike et on vient de découvrir. Doug vient de trouver des Zedraisers. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Alors, la milicia a regagné. Ok. Nous avons. Nous pouvons recruter donc un civil et nous avons une taxe sur les ventes que nous étions déjà à 25%, on passera à 50. Open contact. Là, il n'y a plus trop besoin pour le moment. Donc, pas de machine, oui. Et on doit produire des points bureaucratiques. Oui, on n'a pas de problème puisque ça devrait se faire. D'ailleurs, parlons de ça. Je suppose que mon asset n'a pas dû être construite ici. Est-ce que nous avons notre asset, tu vois, 0,2 tour left, parce qu'il n'y a pas assez de people dedans. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas très grave. Donc ici maintenant, on a combien de personnes là-dedans? Nous avons 1800 personnes et on est en Verilao. Donc je suppose qu'on va avoir une petite grève quelque part. Alors. Ok, ça, il va falloir en discuter juste après. Organisation. Non, nous voulons continuer à faire notre high speed machine gun. Oui. Ensuite, zone. Voilà, nos zones order. On va donner un petit peu de fric à nos amis. On va mettre ouais, 48, c'est parfait. On va se mettre du salaire supérieur à ce que ils ont. À Hanson. Donc Hanson, c'est ton salaire est de 0,02. Donc on va te mettre 0,03. 1, 2. Non, pas tout de suite. Avant de faire ça, on va faire autre chose. DIP, toi tu vois que on. T'es occupé de croire qu'on va te déclarer la guerre. Alors, oui, ben là, je n'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. C'est de toute façon ça qui m'intéresse. Donc, même si ça ne marche pas, je pense que ça peut marcher. Donc, on doit dire simplement que nous n'allons pas les attaquer, qu'on les aime bien, quoi. Par contre, je voudrais savoir ce que ça va leur donner chez eux. Donc, on est à 44. Glitch plus plus moins plus et ils sont maintenant ils sont maintenant passés en hostile. D'accord, ils sont passés en hostile, c'est bien, ben ça va. Ici ce serait intéressant que l'orthodoxe gagne, comme ça on aura un petit peu plus la paix avec ces gens-là. Donc lui il souhaiterait buter. Ah, My God Child, mon enfant chéri, mon enfant Dieu, je ne sais pas, a commis un crime contre une famille habillée. Il demande justice, je voudrais exécuter moi-même la sentence, appliquer moi-même la sentence et exécuter mon fils, quoi. Voilà. Ben dis donc.
C'est mieux de cette manière-ci. Là, c'est vrai qu'on est carrément retourné vers barbare. Bon, est-ce que nous acceptons? Alors, si nous acceptons ça, qu'est-ce qui se passerait? Si nous faisions ça, qu'est-ce qu'on a ici dedans? Bon, je veux pas diminuer, je déteste diminuer les trucs. En plus, le mec, il va se battre avec nous. Donc, on a plusieurs possibilités. Celle-là, je ne veux pas la prendre. Celle-ci, je crois que non, lui, ben, je crois qu'il va pas apprécier trop. Ça, c'est plus ou moins sûr. Et lui, c'est notre commandant, First SHQ. Soixante et un. Enforcement. Il est ici, enforcement. Donc, enforcement, c'est pas très grave que ça monte. 7. Il passera à 40. Ça fait 94. Donc là, ça ne changerait pas grand-chose. Le hurt. Ah. Bon, dans tous les cas, avant de faire celui-ci. Avant de lui faire perdre quelque chose, il faudra aller voir nos cartes de stratégie. Bon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ça, et puis une décision ici. Oui, j'ai pas beaucoup d'autres people à mettre que toi. Donc, on va te mettre 35. On a des cartes. Nous regardons de nouveau ceci. Regardons. Point de contact, j'ai plus besoin puisque tout le monde a été pris contact. Nous avons une ambassade target ici. 115. Est-ce que ça jouerait quelque chose de spécial? Critical success et critical failure. Je perdrai 10 de relations. Je perdrai 10 de relations. Critical failure. Est-ce que je peux faire une critical failure? Oui, si je ne fais que 3. Si je fais que 2, pardon. Pas des 2. Mais c'est beaucoup de points sans être certain que ça va fonctionner. Pas sûr que j'utiliserai ça maintenant. Un gift me donnerait quoi? Un gift, c'est aussi très cher, et je ne fais que 44. Et en voilà, c'est de l'oratoire. Et l'autre avant, c'était la diplomatie. Ensuite, la scientifique, 102. Et ça, c'est de la diplomatie aussi. Ouais. On va passer tout ça, nation. Donc, nous avons la possibilité de recruter. Alors, un junior ou un civil. Un civil, c'est généralement des gens qui sont bons en charisme et en intelligence. Mais on ne connaît pas d'âge. Bon, déjà, toi, ça, c'est sûr, on y va. Je pense que nous n'avons pas d'autres. Nous n'avons que 25. Oui, nous n'avons que 25. Donc, on applique nos syntaxes. Boum, on passe à 50. On va vite d'ailleurs regarder maintenant si je peux vendre quelque chose. Alors, est-ce que je peux vendre quelque chose? Celle-là. Je peux vendre de la foot toujours pour 0,1 crédit. Et je peux vendre du fioul. Toi, je te vends le fioul. Oh, pas de problème. Allez, monsieur, viens ici. Bon, moi, tout ce fioul. S'il te plaît, 89 crédits. Bon, celle-là, merci monsieur. Et d'ailleurs, alors, donc sans problème, on est reparti en hausse. Alors, qu'est-ce que je recruterai? Pour l'instant, je recrute personne, je n'en ai pas vraiment le besoin.
Donc j'accepte de modifier cette petite personne-là. Zone décision, on ne peut rien y faire. Note décision. Ouais. Voilà. Toi, je n'y touche pas. Ici, on va envoyer du people. Donc, tant que je ne construis rien de nouveau ici dedans, on va leur mettre des sous. On va passer à 3. On peut regarder tout ça. Donc là, ça monte très vite et tu me mets plus 3 populations happiness à cause des célébrations mystiques. All right. Je perds 7, j'augmente de 7, j'augmente de 1 et j'augmente de 4. Ouais, ça marche bien ça. On a eu 1800. Ok, on va te passer à 3. Very low. Alors, tu as quoi? Tu as plus 1 pour la zone. Tu as plus 1 pour... Non, diminuer parce qu'on n'a pas assez de QOL. Plus 1 pour la zone. Pour la food. Moins 1 pour la rémunération. Et moins 4 pour le height and rest. Toi, t'as un pépin. On va encore avoir quelques batailles. Bon, l'avantage d'avoir des petits pépins ici, c'est... qu'on peut taper de la méritocratie, quoi. On gagne de la méritocratie. Moi, ça m'intéresse bien de gagner de la méritocratie. Bon, on va envoyer ici du people. Donc, on va mettre coloniser et je veux vendre as worker. Et je vends tout mon people qui est ici. Voilà, je le send avant de faire mon changement de tarif. Comme ça, j'ai déjà un petit peu de people dedans. Alors, 1900 personnes. On va pouvoir remplir un petit peu. Et ici, malheureusement, je ne peux pas passer là, quoi. Donc, il paraît que j'ai perdu un char, mais je l'ai déjà récupéré. Le problème, c'est que ça va diminuer. Non, on est à 107 et 100. Pouf, ça, c'était dangereux, hein, ce truc. C'était hyper dangereux, ce truc-là. Bon, toi, mon ami, est-ce que tu n'as plus que 68 hein? Ici, dedans, 80, 71, 91. Alors, vous, oui, il y en a sans doute qui se demandent ce que c'est que ce truc. Alors, GRL Riser. Alors, GRL Riser, c'est un truc qu'on a piqué à un vieux bidule qu'on a remis en route. Un ancien lanceur de missiles, son armement est, bon d'accord, une bombe atomique d'un mégatonne, sympa. Il a 25 mm de blindage polymère avec un engin moteur nucléaire, ok, il n'y a pas assez de munitions correctes, donc il ne peut être utilisé qu'une seule fois. Avant de disparaître, d'être rendu inopérable. Bon, ça c'est chiant ça. Donc si on lui balance de la radioactivité, oui, ça devrait faire pas mal de dégâts, mais ça devrait aussi gentiment faire de la radioactivité sur la zone. Bon, c'est pas très grave, hein. Il suffit de mettre un petit bâtiment pour nettoyer ça. Mais est-ce qu'on a une possibilité de gagner ici? Donc là, j'ai du rouge. Donc au niveau, c'est pas terrible pour l'encerclement. Hein, si je venais comme ceci. Admettons que j'attaque. Bon, là, il faudrait mettre... Comment ça se fait que t'as plus que 5, toi, purée, quoi. Alors, si je prends tout ce truc-là, ça me fait quoi? 1,5.
mon avis, hein, il faut attendre de récupérer un petit peu de points de vie, là, parce que... Déjà, toi, avec tes 5 seulement, c'est... C'est pas ta plainte. Il ne faudrait que du bleu, hein, ici. Donc, oui, donc vous autres, vous resteriez comme ça. Pour attirer la foudre, dirons-nous. Toi, mon ami, ben, tu vas venir ici. Voilà. Et aux autres, vous il m'en aurait fallu un ici, tout au bout. Et toi, tu peux pas y aller. Mais toi... Je crois qu'il y en a un qui peut y aller. On va l'envoyer ici. Boum. Ce qui va me permettre de faire un encerclement correct. Et toi, tu n'arrives nulle part. D'accord. Alors. Pour le moment, tout le reste tourne correctement. J'ai... Ça, c'est quoi ça? C'est un bleu, ça. Deux mecs que j'aurais dû balancer dans ce coin-ci. Alors, ceux-ci, ils pourraient tous venir là-bas, mais... Bon, ça me diminue quoi? Ça me dit avec 3500 troupes. Et les 100 points de sécurité. Donc, pour rappel, vous pouvez retirer maximum 40% de l'Unrest avec des troupes et 40% de l'Unrest avec des points de sécurité. Chaque troupe que vous avez dedans équivaut pour 5 people. Donc, par exemple, ici, nous avons 5 fois 3500, ça me fait 17 500. Donc je pourrais mettre le double, plus du double. Donc 40, il y a 46 000 de population ici. Donc 46 000 de population, ça veut dire, vous divisez par 5, ça fait 9 000. Il faudrait 9 000 personnes à peu près. 9 000 personnes et je pourrais comme ça enlever un maximum d'Unrest. Au-delà, ça ne serait plus nécessaire. Ou, voilà, bon, il n'y aurait pas le besoin. Quoi. Alors... Nous pouvons, ici dedans, on va regarder si j'ai quelqu'un à augmenter. Non, je ne peux rien faire, il n'y a pas de route. Et ici, il y a une route et nous pourrions rien faire non plus. Je ne peux rien faire non plus. Donc, nous allons tout simplement faire de la... 114 du métal, aucun problème. Donc on va remplir un petit peu toutes ces unités au maximum directement. Comme ça, on facilite le travail de notre SHQ. Le suivant de ces messieurs. Okay. On peut continuer sans problème. Et le petit dernier, non, il y en a encore un après celui-ci. Mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Donc lui, on va rien faire. Donc on va prendre notre quatrième et nous allons modifier sa couleur. On change couleur, mets-moi du brun comme ça, je sais pas, du, voilà. Hop.
Dette, ça donne quoi? Ouais, c'est bien visible. C'est pas la même couleur. On va déjà aller dans le Furtessage Q. Je veux que tu me remplaces un machine gun. Voilà. Un machine gun. Et ensuite, tu me mets le maximum que tu peux de line troops. Voilà. T'es au maximum. Parfait. Il me manquera quand même encore 1100 people là-dedans. All right. Donc, je ne vais attaquer de nouveau que. T'es tout seul là. Ben oui, t'es tout seul, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Là, vous êtes deux. Et ici. Ouais, ils sont costauds, ils sont chiants un peu, ces gens-là. Hein. Toi, t'es dans de l'agriculture. Je te vois. 48. On va t'envoyer des avions. Les avions. Ici, merci monsieur. Donc, je veux te saisir, toi, parfait. R-Recon d'abord. C'est mieux. Un petit R-Recon. On a bien vu que le tour d'avant, ça a eu un petit peu difficile. Donc, je R-Recon avec, non pas le 1, mais avec le 2. Voilà. Qu'on voit un petit peu plus clair. Il y a un char là-dedans, dis donc. Et donc maintenant, une air attaque avec toi. Air attaque. Ouais, il y a un char là-dedans. T'as un char. Allez, touche. Viens, mon petit. Voilà, pas grand chose. Quatre petits points. Readiness 98. Ouais, dangereux tout ça. Hein? Un char tout seul là. Un anti-char là, moi j'ai. Non, j'ai pas. L'antichar. Là, j'ai de l'antichar. Mais on va regarder comme ça pour le moment. Ici, j'ai aussi de l'antichar. On va patienter encore un tout petit peu ici qu'on est terminé. Ça va faire du bien, ça va faire beaucoup de bien. Light Industry. Voilà, ok. Décision, des ordres, on va te donner du pognon. Voilà, mettons 30, c'est bien. Je te donne 3 de salaire. Je te donne rien du tout là, je ne te donne rien, rien, rien et rien. J'accepte l'emergency food et recruter ici Neverfire. Et on reste dans ce type de zone, je pense que ça devrait être suffisant. Plus 15 pour l'happiness, ça fait beaucoup de bien, j'en suis sûr. Alors, on a fait le tour ici, je ne cherche pas trop le heurt.
Je ne cherche pas trop le heurte. Ça ferait plus 4 la base, ça ferait plus 5. Je perdrais 4, mais je serais toujours à 79 pour lui. Donc on va monter un petit peu plus ça. Spica, ta relation est déjà bonne, hein, je crois. Ouais, t'as 76. Est-ce que ça va diminuer sa relation? Je ne pense pas. Hein. Spica. Est-ce que tu as perdu de la relation, mon ami Spica? Spica, où es-tu, Spica? Spica, non, t'es toujours à 76, donc aucun problème. Bon, on a maintenant des. Je pense, on commence à avoir nos relations qui commencent à être intéressantes. Toujours Bobby qui me gêne un peu, mais elle devrait monter avec son Natural Relation Point, lui aussi. Là, par contre, Russ, elle a toujours un petit peu pas. Elle est trop ambitieuse pour son job, bien sûr. Et tout le reste, bon, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. Frédéric, bon, t'as que 67 aussi ici. Mais bon. En général, nous avons de très très bons résultats actuellement. Ok. Je vais terminer. Nous avons terminé ceci. 31 points. Allez, c'est parti. On passe encore un tour.